Je viens du Nouveau-Brunswick, Saint-Quentin. C'est une petite ville. Dans le fond, on peut considérer un village. Puis, c'est ça, c'est dans le nord du Nouveau-Brunswick, à peu près à 7 heures d'ici. Dans le fond, c'est Isabelle à me contacter. Dans le fond, j'étais allée au championnat canadien en 2008, je crois, 2007. Puis c'est là qu'il y a eu les premiers contacts. Elle m'a vu jouer. Fait qu'après ça, on a commencé à se contacter par téléphone, par courriel. Puis on a eu plusieurs rencontres. Puis là, elle m'a fait rencontrer Daniel Sauvageau, France Saint-Louis, puis tu sais, tous les gros noms ici à l'université. Puis je suis venue ici faire une visite avec ma mère. Puis en juin 2009, j'ai pris ma décision pour rentrer en septembre 2009. Ben ouais, c'était quand même de quoi de très gros parce que c'était la première, j'étais la première des Caramères à faire partie de ce programme-là. Fait que c'était quand même très gros. J'étais la seule francophone de l'équipe. Il y avait quand même des filles de McGill qui étaient bilingues. Mais on a eu genre c'est un peu difficile aussi pour le niveau de la langue. Je suis capable de parler bien anglais, mais c'est différent quand tu te retrouves avec une gang anglaise pendant deux semaines de temps puis t'as personne à parler en français. Fait que c'était quand même difficile au début. Mais je me suis adaptée assez facilement. Les filles, c'est comme une famille. Dans deux semaines, tu t'adaptes très bien. Puis le niveau hockey, c'était correct. Disons que le Canada est très fort comparé aux autres pays là-bas. Mais on a quand même bien fait. Puis qu'est-ce que je retiens, c'est l'expérience. T'sais, on a quand même vécu deux semaines ensemble, un beau voyage. Fait que c'est plutôt l'expérience que je retiens. Si tu m'aurais demandé en 2009, tu penses-tu être capitaine de l'équipe un jour? Je t'aurais dit jamais, 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 jamais. Mais présentement, je suis capitaine, puis je crois que j'accomplis vraiment bien mon rôle. Puis au niveau statistique aussi, je peux pas demander mieux, disons. Non, il reste à aller chercher la médaille d'or au championnat canadien.